très bien de payer les factures de ma famille, de mes enfants, grâce à l'argent de la musique. Un peu comme David Okeh. Bonjour, c'est Lutis pour Urban Gospel. Lutis est un chrétien, un artiste musicien. Lutis, c'est juste les initiales de mes noms, Loulou et Curtis. Je l'ai choisi parce qu'avant, j'avais plusieurs autres noms de scène, noms d'artistes. J'avais commencé par C-Fresh, ceux qui m'ont connu ce nom-là. Mais après, j'ai juste voulu faire quelque chose de plus simple qui me représentait moi, porter mon propre nom, en le rendant plus simple et sous la forme contractée de Lutis. Aussi simple que ça. C'est une passion. Je crois que chacun de nous a un don particulier que le Seigneur met en chacun de nous, donc, à me répéter. Et depuis très jeune, j'ai été poussé vers l'art, vers la musique. Et depuis mon très jeune âge, j'étais en train de professer dans la musique et j'ai été attiré par ça. Et donc c'est tout naturellement que j'ai été appelé à faire de la musique. Et en grandissant dans un environnement avec une famille dont les parents sont des ex-musiciens ou qui ont été des très grands auditeurs de musique, donc c'est tout naturellement qu'il fallait que je me retrouve dans le monde de la musique. Lutis fait du hip-hop, du rap principalement, mais je suis un artiste musicien, donc j'essaie de m'adapter à tout type de musique face auquel je suis. Ce qui m'a poussé à faire du rap, c'est que je regardais et je voyais faire du rap. J'ai grandi en regardant ce qui se faisait dans le hip-hop américain, aussi bien que français. Et on a un peu tous commencé comme ça, on a voulu faire comme ce que l'on voyait. On était passionné par ça, on a commencé par faire des interprétations de ce qu'on écoutait, des musiciens qu'on aimait, de la musique qu'on écoutait. Et puis après, on a essayé d'écrire nos propres textes, essayer de faire nos propres freestyles, et puis des intros, et puis des battles, et puis voilà, ça devient des chansons bien faites, et puis voilà. Waouh! Ça fait plus de 10 ans que je fais de la musique. De façon élaborée, ça va faire depuis 2005 que je le fais. Moi, je fais de la musique depuis l'époque des cassettes. Mais voilà, on va dire que c'est depuis 2005-2004, si je ne me trompe pas, avec des petits mixtapes, avec des premiers tapes que j'essaie de faire enregistrer avec des programmes comme Cubase. Ouais, je crois que c'est depuis ces années-là que j'ai commencé, 2004-2005, si je ne me trompe pas. Bon, déjà, c'est pas un choix spécifique, ça va plus sur le feeling. Déjà, c'est quelque chose que j'aime. Si j'aimais la Zumba ou la Rumba ou un autre type de musique un peu plus que les autres, je suis sûr que je l'aurais fait. Tout ça sert au final à l'œuvre du Seigneur, ça sert à gagner des âmes à Christ et ça sert à glorifier le Seigneur. Et quand Dieu te donne un talent, Dieu te donne un don, c'est pour le mettre à l'œuvre pour une mission particulière pour laquelle il t'envoie sur Terre. Parce que la musique aujourd'hui, aussi bien d'être chrétienne que séculière, est aussi un moyen, c'est du business aussi. Bon, est-ce que Lutis le fait pour gagner de l'argent? Évidemment, je veux bien gagner de l'argent. Hein. Je veux bien que Dieu me bénisse au travers de cette profession. Mais non, principalement, ce n'est pas l'objectif premier. Mais voilà, si Dieu me bénit, si je fais de l'argent à travers cette mission, c'est gloire à Dieu pour ça, c'est une bonne chose. Ce serait bien de payer les factures de ma famille, de mes enfants, grâce à l'argent de la musique. Un peu comme David Okeh. On va dire qu'il y a des raisons personnelles et des raisons financières, des raisons pécuniaires qui ont été à la base de cette pause. Premièrement, j'estime que tu ne devrais pas avoir à parler de certaines choses concernant le Seigneur si dans ta propre vie il y a des problèmes. J'essaie pas d'attaquer qui que ce soit. Simplement, je dirais que j'avais traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie personnelle qui ont fait que je ne pouvais pas produire de la musique. Il y avait des choses qui devraient être restaurées d'abord dans mon intimité avec le Seigneur, principalement, premièrement, avant de pouvoir me présenter et de parler de Jésus. Il fallait absolument que je mette de l'ordre dans ma propre vie d'abord. Il y a ça, et aussi il y a le fait, comme je disais, sur l'aspect pécunier, l'aspect financier, c'est que si c'est un autoproducteur, je produis seul ma musique, grâce à Dieu, j'ai eu sur mon parcours l'occasion de rencontrer des merveilleuses personnes. Je citerai par exemple le Papa Michel Ntahali de Happy People, qui a été le distributeur de mon premier single, qui est connu instrument. Il m'a aidé à distribuer, il m'a aidé à vraiment faire de la promotion de ce single, mais j'ai produit seul ma musique.
donc c'était simplement un contrat de distribution. Comme vous l'avez si bien dit, donc j'ai passé encore un petit moment de pause. Ensuite, j'ai eu à collaborer avec mon frère Fiston, oui, que je salue. Voilà, il y a eu beaucoup de problèmes financiers, il y a eu des épreuves, il y a eu des situations qui m'ont, on va dire, qui m'ont un peu... Il a fallu que je fasse un choix entre investir sur ma musique, ma carrière musicale, ou bien m'occuper des affaires courantes et des affaires familiales, tout ce qui allait à côté. On va dire peut-être qu'il y avait des problèmes de gestion dans mes finances, mais les raisons principales étaient cela. Il n'y avait pas quelque chose de... Musicalement, j'étais toujours inspiré, mais il fallait que je règle certaines choses dans ma vie personnelle. Et ensuite, il y avait l'aspect financier qui avait aussi malheureusement joué en ma défaveur. Voilà. Honnêtement, je pense que c'est une très bonne chose. C'est bien de dépeupler le monde de ténèbres et de gagner des âmes à Christ. Que la musique serve de canal par lequel l'évangile est prêché, c'est une très bonne chose. Que le Seigneur suscite des hommes et des femmes, des jeunes, des vieux, qui décident d'utiliser le moyen de la musique pour atteindre d'autres personnes. Et si cette propre musique qu'ils professent permet à eux-mêmes d'être transformés dans leur vie personnelle, dans leur intimité avec Dieu, c'est une très bonne chose. Mais il reste le fait que, oui, il y a l'aspect qu'on quantité et qualité, il y a ceux qui font de la très bonne musique, il y a ceux qui font de moins bon. Je suis pas juste ou free pour dire, mais ce que je peux dire, c'est que ouais, c'est une bonne chose que les jeunes se donnent à fond à travailler dans ce domaine-là. Et voilà, je n'en connais pas toujours les motivations, mais je pense que il y en a certains qui font du très bon travail. Je vais peut-être pas citer les noms, mais il y en a certains d'autres aussi que j'écouterai peut-être pas, mais il y a peut-être des milliers d'autres personnes qui les écouteront. Alors voilà, pourquoi pas gloire à Dieu pour ça. Je vais pas noyer leur bateau, et tout ce que je pourrais dire, c'est que Dieu bénit ceux qui le font pour de vrai, ceux qui le font bien. Top 5. Je peux me citer moi-même. Je dirais Lutis, Tito Prince, David O'Keefe, Ngenio. J'hésite entre le psalmiste et l'haïtien. Je vais dire El George. Ouais. Si tout va bien, le vendredi 31 mars, je vais sortir mon prochain single qui s'intitule God Bless, qui est un prélude de la sortie d'un prochain single qui viendra après. Ensuite, il va venir un EP qui va sortir avant la fin de cette année. Un EP qui devrait avoir entre 6 ou 7 titres. Voilà, c'est ça le plan prévu pour cette année. Pas taper prière, pas statue, pas chapelet. Le salut par grâce et Zao, ils font de la misère, veulent t'empêcher d'avancer. Balingui au Kotama BD, sans pudeur, je ne dis aucun autre intermédiaire. Le Christ est le seul sauveur. Le mot de la fin, c'est Jésus-Christ revient bientôt. Donnez votre vie à Christ, repentez-vous, revenez sur le droit chemin, obéissez à la parole du Seigneur, demandez l'aide du Saint-Esprit pour vivre la vie de Dieu. Ensuite, je vous invite à me soutenir au travers de mes différentes pages sur Instagram, sur Facebook et toutes les autres plateformes. Je vous invite à soutenir la musique urbaine gospel qui souffre d'un problème de soutien en achetant des merch, en achetant des billets de concert, en stream ou sur des plateformes légales, et en soutenant de différentes manières possibles, aussi bien en compréhension pour les artistes. Je lance un big shout out à Urban Gospel, qui est cette plateforme qui a décidé de m'accompagner dans la promotion de ce single et ainsi que dans la promotion des différentes productions qui viendront au courant de cette année. Donc mon mot de la fin, c'est celui-là. Merci de me soutenir. Merci à ceux qui le font déjà, et merci aussi à ceux qui vont me découvrir à travers cette interview et qui vont aller soutenir. Vous savez, ça marche comme ça. Un like, un follow, un partage, et l'algorithme marche, et l'algorithme va jouer en notre faveur, et voilà, ce sera pour l'œuvre du Seigneur, ce sera effectivement pour nous aussi en tant qu'artiste, en tant que personne, pour nos projets, mais aussi principalement pour l'œuvre du Seigneur. Mais avant tout, n'oubliez pas par-dessus tout de préparer votre bien-être.